rebelle. Ouais, alors, tu as un petit album entre les mains là. Dis-moi ce que t'en penses comme ça, même si tu ne l'as pas vraiment écouté. Alors, j'ai entendu dans la semaine, ou la semaine dernière, sur une certaine radio, un morceau. Et c'était déjà dans ma tête. D'accord. Et j'ai même dit du Vigneault où il prend le fric pour faire autant de choses. C'est pas moi, c'est madame. C'est madame qui a vendu. C'est, non, madame, j'ai c'est, ma... pas, c'est pas la panne narcissique. C'est madame qui a initié l'opération. Comment et ça s'est passé? On a fait aboutir l'opération il y a 2 ans quand on s'est rencontrés. Oui. Alors que c'est une affaire qui était déjà dans la boîte, ça fait 8 ans. Les textes datent de 8 ans. Ça a commencé par quoi? L'enregistrement. Ah bon? Ah oui, le produit était fini, ça fait 8 ans. Ah d'accord. Et il voit le grand jour, là, aujourd'hui en 2022, alors qu'on s'est rencontrés en 2020. Eh ouais. Et moi, ça m'embêtait quelque part et ça me rendait mal de savoir qu'il y avait un tel produit dans une valise, quoi. Eh ben oui. Et aujourd'hui, je vois que monsieur José Legrand a ça entre les mains. Eh oui. Je ne peux que m'en réjouir. Et qui écoute des musiques assez hard. Assez hard. Et qui écoute des musiques assez hard, mais n'empêche que le choix n'est pas mauvais. D'accord. Le choix des interprètes. Des artistes. D'accord. Des interprètes. C'est le choix de madame. Ben voilà. Elle sait faire, elle sait choisir. Elle a du goût. Elle a du goût sur ce que nous avons localement pour un petit pays. On va dire, il y a 150 000 Guyanais, grosso modo. Ouais. Et elle arrive à faire un petit choix.